Yo les gars, c'est Zeko, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo sur la chaîne de la Obscure Clan, j'espère que celle-ci va vous faire plaisir. Aujourd'hui, je vais vous présenter 5 spots pour faire rapidement, surtout facilement, vos tirs de loin sur Call of Duty Black Ops 4. Alors oubliez pas de mettre un gros pouce bleu et de me dire en commentaire si vous aimez tout simplement les vidéos en facecam. On va essayer, si vous aimez ça, de faire beaucoup plus de vidéos facecam. Et voilà, moi ça me fait plaisir de faire des vidéos en facecam, mais voilà, ça prend beaucoup de temps. C'est sûr que c'est plus facile de faire juste avec la voix. Mais voilà, si vous aimez ça, dites-le moi dans les commentaires et aussi dans les pouces bleus. Voilà, ça me ferait hyper plaisir. Voilà, on passe directement au gameplay. Let's go! Donc voilà les gars, on se retrouve en game. On est sur la map Firing Range, qui est une des maps, je pense la meilleure map pour faire ces tirs de loin. Alors je vais vous montrer 3 spots dans cette map. Si vous spawnez au spawn C, vous allez tout simplement aller là. Vous allez monter là et là vous allez tout simplement pouvoir spawn kill les ennemis. Je vous conseille bien sûr d'aller en domination hardcore. Voilà, ça dure beaucoup plus de temps et de moins tu mets 1 ou 2 balles, ça passe. Au mieux de mettre tout simplement 6 balles pour tuer un mec en normal. Donc voilà, vous mettez là, les mecs vont spawn à A. Soit ils vont aller tout simplement à la fenêtre, je sais pas à la fenêtre si ça fait les tirs de loin. Mais si le mec tout simplement veut passer au mid et vous tuer, ça va faire tout simplement des tirs de loin. Donc voilà, premier spot, on va aller au deuxième qui est tout simplement voilà dans le bagalo. Les mecs vont spawner au spawn A et là voilà ça va être vraiment un régal tout simplement. Les mecs vont spawn, vous allez les tuer. Moi j'ai fait une nucléaire en faisant mes tirs de loin pour vous dire. J'étais là, je les tuais, c'était vraiment super facile. En une game j'ai dû faire au moins 20 tirs de loin, donc voilà c'est vraiment très facile si vous avez besoin de monter plusieurs armes en tirs de loin. En or plutôt, c'est vraiment ici le spot idéal. Le troisième spot, ça va être à côté de la voiture verte. Vous allez tout simplement vous mettre là. Et quand les mecs vont tout simplement sortir du spawn C, là au moins 50 voire 60% des ennemis qui vont aller ici ou ils vont essayer de passer à droite. Et là, faut vraiment bien anticiper. Et voilà, vous pouvez les tuer. Là, des mecs qui se mettent en head glitch ici. Voilà, c'est vraiment un des spots aussi idéal. Donc voilà, les gars, voilà, je vais directement passer au prochain spot. Voilà, on a fini Firing Range, c'était rapide. Mais voilà, pour faire vos tirs de loin, Firing Range, c'est vraiment la meilleure des maps. Donc voilà les gars, on se retrouve sur la map Icebreaker avec le petit camo diamant qui sont dans la masse. Et tout simplement, pour cette map, vous allez tout simplement vous mettre aux extrémités des spawns. Comme vous avez pu voir, les spawns sur Icebreaker sont vraiment très écartés. Donc voilà, vous allez tout simplement vous mettre aux extrémités, que ce soit dans l'eau ou même... Non, ici vous pouvez pas, si vous regardez. Ici vous pouvez, vous mettez ici et vous allez voir que les tirs de loin vont tout simplement tomber à flot. Le seul problème, c'est que faut que les ennemis poussent les spawns et c'est ça qui prend un petit peu plus de temps. Voilà, c'est pour ça, aller en domination, la partie dure longtemps et voilà, vous avez beaucoup plus de chance. Et après vous avez aussi l'autre spawn. Voilà, vous avez aussi ce spawn qui est vraiment très bien pour faire les tirs de loin. Vous allez tout simplement vous mettre, voilà comme je vous ai dit, à l'extrémité du spawn ici. En plus là vous n'êtes pas dans l'eau, c'est parfait. Et vous pouvez tout simplement faire vos tirs de loin. Voilà, j'ai fait mes tirs de loin avec la Maddox dans ce spawn et aussi un petit peu dans l'autre spawn. Donc voilà, cette map est vraiment très bien pour les tirs de loin. Je vous la conseille pleinement. Donc voilà les gars, on se retrouve sur la dernière map de cette vidéo qui est tout simplement la map Jungle. La map Jungle qui a été remasterisée de BO1 et elle est vraiment très bien pour les tirs de loin. Moi j'aime pas du tout cette map, je sais pas pourquoi, mais là beaucoup trop de campeurs sur cette map. C'est pour ça que cette map est bien pour les tirs de loin. Donc voilà, le premier spot vous allez vous mettre ici et en domination le spawn B est tout simplement là. Et quand les mecs vont venir, que ce soit en domination hardcore ou même en simple, vous allez pouvoir les tuer. En simple c'est quand même beaucoup plus dur. Je vous conseille les gars, je me répète, d'aller en domination hardcore. La game dure plus longtemps et en plus vous allez mettre 2 balles pour les tirs de loin, c'est beaucoup mieux. Donc voilà, premier spot, vous allez vous mettre là et vous allez voir que là vous allez faire des tirs de loin et vous pouvez aussi tuer voilà les campeurs qui sont en snipe en haut. Et voilà, vous allez voir que les tirs de loin vous allez en faire beaucoup. Donc voilà les gars, on passe au dernier spot de la vidéo. Vous allez tout simplement aller au top, voilà où tous les campeurs de cette map viennent camper. Et vous allez tout simplement vous mettre là, vous allez reculer au maximum. Et là vous allez pouvoir tout simplement tuer les mecs qui sont au fond du spawn. Mais aussi vous allez pouvoir tuer les mecs qui arrivent ici. Si vous tuez un mec là, je pense pas que ça va faire, mais je pense même pas du tout que ça va faire tir de loin. Mais si vous tuez des mecs ici qui vont arriver, vous allez voir que vous allez tout simplement faire votre char de loin et en plus rapidement parce que tout simplement la position B va être ici et tout le monde va tout le monde va venir à B pour capturer. Donc voilà. Donc voilà les gars, je vous ai montré les 5 spots, même un petit peu plus, et les 3 maps où il faut vraiment y aller pour faire ses tirs de loin, pour faire rapidement et surtout simplement. C'est Firing Range, Jungle et Icebreaker. Je vais vous montrer aussi les maps où il ne faut surtout pas aller pour faire vos tirs de loin. Alors Arsenal, il ne faut pas y aller. Contrebande, vous pouvez y aller si vous allez à gauche, tout simplement sur la photo. Firing Range, oui. Frequency, non. Gridlock, pareil, non. Hacienda, si vous allez peut-être au mid à une fenêtre, vous pouvez peut-être faire des tirs de loin. Icebreaker, oui. Jungle, oui. Militia, oui. Militia, je l'ai pas mis dans la vidéo, mais c'est une des maps qui est très bien pour les tirs de loin. Parce que voilà, c'est une map avec beaucoup d'espace. Comparément tout simplement à Morocco. Morocco, faut surtout pas y aller. Vous voyez, Morocco, vous courez tout simplement. Payload aussi, Seaside, vous y allez pas. Slumps, pareil, et Summit, pareil. Voilà, tout simplement les maps où il faut vraiment y aller, c'est Militia, Jungle, Icebreaker, Contrebande à la rigueur et Firing Range. Voilà, si vous avez cette map, allez-y, faites vos tirs de loin en domination hardcore et vous allez voir que vous allez débloquer tout simplement ces camouflages très rapidement. Donc voilà les gars, c'est la fin de la vidéo, j'espère que celle-ci vous aura plu, j'espère que vous allez débloquer vos camouflages de tir de loin vraiment très rapidement grâce à ces spots. Vous me dites en commentaire si vous avez réussi, ça me ferait vraiment plaisir. Et dites-moi aussi dans l'espace des commentaires si vous aimez les vidéos avec facecam. Si vous aimez pas, de toute façon, c'est pas grave, on restera sur du micro classique. Et si vous aimez, voilà, n'oubliez pas de mettre le gros pouce bleu, ça me ferait extrêmement plaisir. Et voilà, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de mettre un petit commentaire, voilà, comme je vous ai dit. Et surtout d'activer la petite cloche des notifications quand je suis en stream. Et voilà les gars, je vous dis à plus pour de nouvelles vidéos. C'était Zeko, allez peace.